Salut jeune recrue, ici Geoffrey. Comme je te le disais la semaine dernière, dans l'affirmatif ou négatif, le HIIT est la méthode d'entraînement la plus efficiente pour maigrir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de HIIT de 20 minutes pour brûler un maximum de graisse. Si tu n'es pas encore échauffé, je t'invite à aller voir cette vidéo et revenir après ici. Donc, une séance de 20 minutes avec 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération avec 5 exercices. Si c'est bon pour toi, nous sommes partis, serviette et bouteille d'eau sur le côté. Je prends mon chrono. Et si c'est bon pour toi, on part avec des jumping jacks dans 5 secondes. Allez, on vient venir faire l'étoile de mer pour bien chauffer le cœur. On est parti. Allez, ici, hein, c'est le début. Si tu l'es bien échauffé... Mais là, ça reste encore une partie de l'échauffement. Donc ici, je viens bien faire l'étoile de mer. J'ouvre et je referme. Ici, hein, j'essaye bien de descendre un peu plus bas sur mes cuisses pour toujours hein, continuer l'échauffement. Et bien ouvrir. Allez, souffle. 4 secondes. Et relâche. Allez. Donc là, les 30 secondes, c'est vraiment pour que tu récupères. Donc... Ouvre bien ta cage thoracique, respire bien. Prochain exercice, je te montre, on va partir en squat. Donc ici, les squats, je descends et je remonte. Ici, tu vois bien, hein, je ne viens pas cambrer ou arrondir mon dos. Mes genoux ou mes jambes sont perpendiculaires au sol et mes genoux ne vont pas vers l'extérieur. Si je suis en face de soi, tu vois bien, hein, là, ça rentre pas ou ça va pas excessivement vers l'extérieur. On est parti, allez. Je monte et je descends. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Ici, important aussi, hein, je ne viens pas verrouiller mon articulation en haut du mouvement. Si c'est trop dur pour toi de descendre aussi bas, descends un peu moins bas. Mais le mieux, hein, c'est de descendre tout en bas pour avoir un maximum et relâche, pour avoir un maximum de contraction musculaire et du coup plus d'efficacité pour perdre du poids, plus de dépenses énergétiques. Prochain exercice, shadow box. Là, on va venir boxer. Attention, hein, c'est l'ensemble du corps qui boxe. Je balance mon poing à l'aide de mon dos et de ma hanche qui descend jusqu'au pied. Respire bien, tu souffles, tu frappes direct, crochet et hypercute par en dessous. On est parti maintenant. Allez, fais des enchaînements, hein. Droite, gauche, gauche, droite. C'est bien le dos, hein. Tu vois ici, mon dos, ma jambe, mon dos, ça finit d'un point. Pareil, de l'autre côté, hein. Allez. Souffle bien. Et relâche. Allez, ici, hein, tu vas à ton niveau, c'est l'avantage du HIIT. Chacun peut aller à son niveau et donc se dépasse soi-même. On n'est pas en train de se comparer par rapport aux autres. Pompe sur les genoux. Donc là, tu prends une serviette pour mettre sous tes genoux, les épaules sous les mains et tu viens descendre et remonter. Attention, hein, je ne viens pas cambrer ou arrondir le dos. Si c'est trop dur, tu peux venir ici, pareil, toujours sur les genoux. Ici, on est parti, allez. Voilà, donc plus la surface est haute, plus c'est facile, ou moins c'est dur en tout cas. Pareil, hein, si tu fais contre le mur, bon là tu vois pas trop ce que je fais, mais c'est le même principe si c'est vraiment trop dur. Et si c'est bon pour toi, les genoux au sol, les mains bien sous les épaules, je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Allez, 4 secondes, et relâche. Pareil ici, hein, mes coudes ne doivent pas sortir hein, vers l'extérieur. Le but, c'est pas que tu ressembles à un T quand tu es au sol, c'est que tu ressembles à une flèche. Donc les coudes rapprochés du dos, rapprochés du corps. Allez, pense à t'hydrater. Prochain exercice. Mountain climber. Ici, mes mains sous les épaules comme si c'était une pompe ou une planche. Et je vais venir ramener mes genoux vers la poitrine. On est bon? Allez, on est parti. Ici, on ne vient pas cambrer ou arrondir ou monter les fessiers. Non, une belle planche. On regarde entre tes mains. Les épaules bien au-dessus des mains. Je suis pas
Ici, non, je suis pas trop en avant. Non, prends conscience de ton corps. Si c'est trop dur, ralentis le rythme. Si c'est facile, accélère, relâche. Ok, ça, c'était notre premier tour. Il nous en reste trois. Donc là, maintenant, on connaît bien les exercices. On va pouvoir les enchaîner plus rapidement ou plus facilement, selon ton niveau. L'avantage, je t'ai dit, avec le HIIT, c'est vraiment un temps donné. Tu as 30 secondes, tu fais le nombre de reps que tu peux, le nombre de répétitions que tu peux. Et voilà, tu essaies toujours de te donner le plus possible et de faire mieux qu'au tour précédent. On est parti. Jumping jack. 1, c'est parti. Allez. Une belle étoile de mer. Maintenant, on connaît les exercices. On peut se donner vraiment plus là. Allez. Ici, je descends bien en squat. Toujours dans le but d'une meilleure contraction. Plus de muscles contractés égale plus de dépenses énergétiques égale plus de graisse brûlée, de calories brûlées. Allez. Si c'est trop dur pour toi, ralentis. Mais normalement, ça devrait le faire. Allez, allez. Et relâche. Allez, respire. Ouvre ta cage thoracique. Là, tu as vraiment 30 secondes à fond et 30 secondes de récupération après. Ce qui permet vraiment de pouvoir réattaquer une fois la récupération. Fais-toi sentir ton rythme cardiaque. Marche. Respire bien. Pense à t'hydrater. On va partir en squat. Encore 5 secondes. Allez, position, on est parti. En haut, en bas. Pense toujours tes genoux dans l'axe des pointes de pied. Les genoux ne rentrent pas à la montée ou ne sortent pas excessivement. Vraiment, toujours dans l'axe des pointes de pied. La poitrine bien ouverte, bien fière. Le regard en face. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Dans les phases les plus dures, je viens souffler. La respiration m'aide. Et relâche. Allez, respire. Récupère. Pense à t'hydrater. Allez, souffle. On va partir sur les shadow box. Donc ici, mon poing va vers l'avant, mais ça part de tout en bas. Mon pied se décolle. Je mets de la hanche, du dos, et bim, je viens frapper. On est parti, maintenant, allez. Allez, souffle bien. Ici, t'es là, c'est là pour se défouler. Là, tu travailles le dos, donc le haut du corps, mais tu es aussi là pour venir te défouler. Après une journée, peut-être un peu dure, stressante, là, tu viens sortir tout le stress que tu as subi aujourd'hui. Allez. Et relâche. Allez, à toi de faire ton enchaînement. Ici, c'est pour t'amuser. Allez, pompe sur les genoux. Donc, soit sur un canapé, une chaise, un tabouret pour être un peu plus élevé. Soit si c'est encore trop dur, sur le mur. Et si ça va, on peut passer directement au sol, sur les genoux. Les mains sous les épaules, mon regard entre mes mains. Plus j'éloigne mes genoux, plus c'est dur, plus je ramène, plus c'est facile. Donc, selon ton niveau, toujours, on va partir maintenant. Allez! Ma poitrine, plus elle est proche du sol, plus c'est efficace. Plus la poitrine, enfin les pectoraux, sont contractés. Les bras bien proches du corps, je ne viens pas écarter. Allez, souffle bien. Et relâche. Allez, respire bien. Tu vois, c'est selon son niveau. Moi, je parle, j'essaye de me donner à fond, donc forcément, je suis fatigué. Toi, peut-être que t'en fais plus ou moins. Selon ton niveau, pareil. Et toi aussi, tu seras fatigué selon ton niveau. C'est pas le but, c'est pas de se mesurer et de se comparer aux autres. C'est vraiment de faire plus fort et plus loin que le tour d'avant, donc plus fort que soi. Se dépasser soi-même. Allez, on est parti. Mountain Climber, les mains sous les épaules. On est parti. Allez. Ici, si c'est facile, tu vois, tu peux aller très vite. Si c'est trop dur, voilà. Un peu moins rapide. Toujours une grosse contraction dans les abdominaux. Là,
Le but, c'est de travailler la sangle abdominale en gainage. Donc là, j'hésite pas à aspirer mon nombril pour bien travailler mon transverse, travailler le muscle qui vient faire le ventre plat. Et relâche. Ici, t'as un muscle qui se rattache des deux côtés de la colonne, qui vient bien comprimer et maintenir tes viscères, et c'est ça qui fait le ventre plat, le transverse. Donc, essaye d'aspirer toujours ton nombril. Allez, il nous reste la moitié, on est parti. Jumping jack, on recommence, on est à la moitié de la séance. Allez, allez, souffle bien. Ici, pense toujours à bien descendre. Maintenant, je pense que j'ai répété assez les consignes. Tu dois t'en souvenir et tu dois faire en sorte de les respecter pour ne pas te blesser et pour activer un maximum de muscles pour que ce soit le plus efficace, le plus efficient possible. Et relâche. Ici, le genou est toujours dans l'axe des pointes de pied. Il ne vient pas rentrer des genoux quand je fais les ouvertures. Allez, squat. Pareil, les genoux toujours dans l'axe des pointes de pied. On va être parti. 5 secondes. Même moins. Allez, on est parti. Je monte et je descends. J'essaie de descendre le plus bas possible, sans blesser, et sans ne pas finir les 30 secondes. Donc voilà, selon ton rythme. Mais comme tu sais, maintenant, plus tu descends bas, plus c'est efficace. Allez. Ici, viens pas t'écraser sur toi-même, non. Poitrine fière, regard vers l'avant. 5 secondes. Allez, si tu peux accélérer, accélère. Et relâche. C'est pas parce que je te dis de pas accélérer que tu peux pas accélérer. Allez. T'accélères ou tu ralentis. Mais bon, accélérer c'est mieux quand tu veux. Donc, comme je t'ai dit, c'est toi qui gères ton rythme. Allez, shadow box, on se prépare. Ici, je me mets en position. Je pense toujours, ça part du bas, ça arrive en haut. On est parti, maintenant, allez. Allez, souffle bien, souffle fort. Pense aux différents mouvements, direct, crochet, uppercut. Ou l'inverse. Allez, souffle bien. Mets de la hanche, mets du dos. Et relâche. Allez, souffle, récupère. Allez, je me prépare pour mes pompes sur genoux. Les mains sous les épaules. Ici, je ne vais pas cambrer ou arrondir. Et on est parti maintenant. Allez. Allez, selon ton rythme, si tu peux pas aller très vite, voilà. Ne va pas très vite. Si tu peux aller encore plus vite, accélère. Allez, souffle, souffle. Allez, ça se termine. Et relâche. Chacun a son rythme. Moi, j'essaye de me donner à fond. Même si je parle, j'essaie de me donner à fond pour te donner la motivation de te donner toi aussi à fond. Allez. Allez, récupère bien. On va partir mountain climber. Toujours pareil. On essaye d'aller encore un peu plus vite. Un peu plus rapide. D'accélérer un peu plus pendant cette série-là. Allez, main sous les épaules, on est parti. Pense à ton dos. Ton dos doit être aligné à tes cuisses. Allez, souffle bien. Le regard entre les mains sous les épaules. Allez, souffle, souffle, souffle. Allez, accélère. Ça se termine. Et relâche.
Et là, c'est notre dernier tour. Là, normalement, tu connais mettre dans les consignes. Donc voilà, je vais moins parler et je vais essayer de me donner à fond pour te motiver à te donner à fond. Je vais pas essayer, hein, je vais me donner à fond. Allez. 5 secondes, jumping jack. 1, on est parti. Allez. Allez, descends bien en squat. Ouvre bien, referme rapidement. Et repars. Allez, allez, allez. Ténacité, hein. On tient bon, on est tenace. On persévère. Allez. Attention, hein, toujours en respectant les consignes. Et on relâche. Allez, souffle bien. On va partir en squat dans 20 secondes. Respire, ouvre ta cage thoracique. Je sais pas toi, mais moi j'ai chaud. C'est normal, hein. Le corps, il augmente en température parce qu'on fait travailler les muscles. Et les muscles, ça crée de la chaleur. Ça brûle de l'énergie. Allez, squat, on est parti maintenant. Allez, j'hésite pas à accélérer, hein. À bien descendre et accélérer. Dernière fois qu'on fait chaque exercice. Allez, allez, allez. Tiens bon. 3 secondes, 2, 1, et relâche. Pas avant, hein. Allez. Les squats, c'est terminé. Il nous reste 3 exercices. Souffle bien. Shadow box. Là, on va venir boxer la fatigue. Allez. On se prépare. 3, 2, 1. On est parti. Allez. Allez, je veux t'entendre souffler. Hein. Direct, direct. Crochet, crochet. Crochet, crochet. Uppercut, uppercut. Allez, l'ensemble du corps travaille. Je mets du dos, de la hanche et de chaque côté. Hein. C'est pas parce que je suis droitier que je travaille pas la partie gauche. Et c'est pas parce que je suis gaucher que je travaille pas la partie droite. Allez, ça termine. Oh lâche. Là, le cardio, il monte. Hein. Allez, essaye de le faire redescendre pour bien repartir juste après. Hydrate-toi, hein, pense-y. Allez, position pour les pompes, on est dans le même bateau, hein. On est ensemble, on y va jusqu'au bout. On est parti maintenant, allez. Allez, donne-toi à fond. Dernier exercice. Avant, dernier exercice plutôt. Allez, allez, allez. Allez, ne faiblis pas. Ténacité. Tiens bon, tiens bon. Ça se termine. 5 secondes. Et on relâche. Attention, hein. Le mouvement, moi, je chantais là. Vu que je suis fatigué et que j'essaye de me donner à fond, forcément le mouvement, il se détériore un peu. Et ça, faut en prendre conscience et essayer de rectifier. Allez. Mountain Climber. Le mouvement, hein, je pense, en tout cas moi, celui qui me demande le plus d'énergie et le plus de ténacité également. Donc on est parti, allez, on faut tout donner maintenant. Allez, je vais à fond par rapport à mon niveau et toi fais de même. Hein. Allez. Allez, ténacité dans l'effort. Allez, tiens bon, tiens bon, tiens bon. 5 secondes. Et relâche. Ouh.
Et là, là on peut aspirer. Allez, marche. Récupère, récupère. Pense à t'hydrater. Lève-toi, hein, ne reste pas au sol. Lève-toi. Ouvre bien ta cage thoracique. Marche pour bien récupérer. Hydrate-toi. Allez, récupère. N'hésite pas à passer les mains derrière la tête, hein. Pour bien toujours ouvrir ta cage thoracique. Bien respirer. Bien remettre de l'oxygène dans tes poumons. Allez, continue à récupérer. J'espère que cette séance t'a plu. J'espère que tu te donnes à fond et que tu as fait preuve de ténacité. Si tu veux, tu peux venir avec une séance d'étirement, avec cette vidéo. Ça te permettra de bien faire redescendre ton rythme cardiaque et de te relaxer. Nous, on se revoit la semaine prochaine en direct dans le rassemblement, le live que j'organise à chaque fin de mois pour répondre à toutes vos questions et vous coacher en direct. Dans ce live, on parlera également de la mission TNT qui vous permet de perdre 10 kg en 100 jours et ne plus jamais les reprendre. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrite, clique sur le premier lien en description pour réserver ta place. Allez, à dimanche prochain, directement dans le rassemblement. Repos !